Bonjour l'équipe, bonjour l'équipe. Oui, je vois l'équipe. Je les ai vues dans les images. Elle m'a envoyé les images. Je les ai même ici dans mon téléphone. Vous voyez, docteur Siana, c'est la justice qui est venue s'associer avec. Maman Kia est notre congolais ici, Béa. Malgré la couleur. Oui, parfois il y a plus congolais que congolais. Oui. Maman, on peut voir le patient. Si, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup, maman. Non, non, vous l'avez lâché. Merci beaucoup, maman. Et bien, ça va? Oui, ça va. Ça va. On doit récupérer bien. Qu'il vous bénisse vraiment et que rétablissement na bino à la bangou bangou noki noki de façon à ce que vous retrouviez la famille et au passé ma bonne fête. Ça va bien se passer. Il va rester combien de temps en principe? On le garde ici pendant 3-4 jours et ensuite ils vont en hospitalisation où les temps d'enlever tous les retons, le fil, on va dire 10 jours d'hospitalisation. En moyenne. Bon, donc il va passer le fête de Noël à la maison. Ce que nous plaignons ici, c'est mal le problème de colis à l'abisso. Et cambouté. À qui c'est l'abisso? À qui c'est l'abisso? Elle est trop chère. Bon, il n'y a que ça. Maman Angèle, il y a un colis. On a atteint la bâtie, sinon colis. On s'est perdu, maman. On s'est perdu, nous avons pas encore là-haut. Ok, bon. Merci beaucoup. Prompt rétablissement alors. Merci maman. Prompt rétablissement. Merci. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Allez. Bon Dieu. J'espère que vous pouvez aller docteur. Merci. Merci. Ah, ça, le miracle. Elle est qui me mène de l'eau. Merci. Vraiment. Merci. Ok. Merci. Bon, bonne journée. Nata la paix balinga. Merci maman. Merci. Bonjour. Félicitations. Merci. Bravo, Mayele, et puis professionnalisme, Wana. Et puis, il n'y a pas de plus au monde pour vous à la sauver. En tout cas, c'est une bonne chose. Il a bien parlé. Ok. Ça va. Ils sont à combien? 5. Oui. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va, hein? Voilà. Ça s'est bien passé. Ananda. Maman, elle vient de Lubumbashi. Magnifique. Que les deux premiers rangs pour apparaître que j'ai la réanimation est faite. Dans le bas d'un côté, ils vont relativement mieux. Ils ont besoin de aussi, si. Puisque vous les avez endormis, vous les avez traités, vous les avez réveillés, mais maintenant ils s'expriment, ils peuvent manger, l'autre qui a dit il souhaite à manger, donc souhaite avoir à manger. Donc on ça avait va. Arrêté le cœur. Vous oui. avez dit un jour que vous aimeriez voir comment on arrête le cœur. Si, j'avais. La prochaine fois, on arrangera. Bon, si je suis là. Mais sinon, je suis contente. Je suis vraiment, vraiment contente parce que c'est un grand pas. Oui, à partir du moment où enfin, beaucoup de gens n'y avaient pas cru. Hein? Vous, vous y avez cru. Mais bien sûr, et j'y crois. On vous remercie pour ça. J'y crois, vraiment j'y crois. Et j'ai confiance à l'intelligentsia congolaise. Merci.
merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci. Vraiment. Parce que pour s'impliquer comme ça, ça demande beaucoup de sacrifices. Nous connaissons, nous savons de quoi il en retourne. Et vraiment, que Dieu vous bénisse de tout le temps. Soyez bénis. Et même, oui, nous avons été opérés dans de bonnes conditions. Pour nous, il fallait aller en Inde, tout là, c'était trop, trop cher. Trop cher. Oui. Mais grâce à vous, merci beaucoup. Grâce à Dieu, par les canaux des humains, oui, de nous tous, surtout eux. Surtout eux tous là. Eux qui ont des blouses là bizarres. Ok. Voilà que Dieu fait des miracles. Oui, il suffit de croire. Mais c'est ce qu'il m'a dit avant l'intervention. Oui. Ça marche. Bon. Que Dieu soit loué seulement. Encore, je vous remercie. D'accord. Que je vous fasse te protège et te donne aussi de bonnes choses dans la vie. Amen. Surtout. Il faut vous rétablir pour que la famille se réjouisse ensemble avec vous et vivez encore beaucoup plus longtemps puisque on a toujours des besoins. Que Jésus Christ vraiment vous guérisse complètement et totalement. Merci. On a recruté dans toutes les provinces. Pauline, félicitations Pauline. Merci. Parce que ça c'est quelque chose quand même indépendant qu'on a fait sur vous. Merci beaucoup. Je vais vous donner la santé. Oui. Je vais ma taille, je vais me franchir. Eh bien. J'ai eu bijoux en souris. Ma maman va y baïk. Merci. C'est ça, oh. Asante, tunashukuru. Merci mama. Nanie Mungu ambariki sana. Amen. Piske, ni mapenzi yake njoo ilifanya ke ba mganga baweze kumisaidia. Na ye aliitika, alikubali, kuniponyesha. Njoo maana hii yote inatendeka.
Nikushukuru tu Mungu sana. Shukrani. Sawa, da Pauline. Beaucoup de courage na félicitations kabisa. Merci. Est-ce que hii ni examen kabambi mnaweza? Sawa, sawa. Basi Mungu akubariki. Bonne fête. Sifenda ne. Tuzaliwe pamoja na Yesu. Puisque je suppose que mon convaincu chrétien, vous allez pas moi naïs ou bientôt le 25 décembre, na meilleur vœu, tu es à fin de l'année. Nous espérons que mon va tout tambusha, ta foi parmi venir vu qu'on a grâce, na néma ya que quoi guise ya kufika mon 2020. Dieu déjà m'a fait un miracle kabambi. Et il y a un Mungu anafanyia kunitunza ili kuka meme kitu moya kubwa sana. Asante Mungu. Sawa. Okay. Basi nitamtumia mtu atakaye kufanyia. Sari kidogo kuongezea force. Kutia karbira mwili de façon à ce que mpone mbio mbio. Sawa mama Pauline. Tapumzika pia. Siku mnarudia kwa Lubumbashi mnasalimia jamaa yote. Na benye walinisindikiza. Mungu ya huku ya kazi. Anaita kwa nangu ya kazi na tumika tu simo. Bana mtoshi. Ana kazi. Nipenda ni mieleze. Bali mtosha wati mkazi. Alikuwa administrative bitie ku inivite simo kumama. Bala mtosha tu wakwe simo wakule. Basi utaulia na mama sapa. Asante. Nina shukuru kwa mama. Okay. Basi Mungu amepitia mbele. Merci. Sawa. Ale bali. Donc votre épouse aussi le domaine. La chèvre ne broute, la chèvre ne broute que là où elle est attachée. Vraiment. Il n'a pas vu. Okay. Il faudrait qu'on lui explique tout. Avant oui. Qu'elle fasse le renfumé, elle était d'avoir continué. Son mari partant seul, je ne peux pas le lâcher. L'infirmerie. Ah, oui. Vous voyez, quand je dis que c'est la femme qui aime vraiment. D'accord. C'est les penseurs qui venaient. On comprend, oui, on comprend. Mais bon, on espère que bientôt ça va se terminer avec les travaux. Oui. Faut souffrir un peu. Oui, comme on dit, oui, oui. Bon, sinon, merci d'être venu, docteur. Oui, c'est parce que nous avons confiance en vous, qui vous fait après le temps de demain. Nous sommes là et nous sommes sur le sujet. Bon, d'abord, je profite de ce moment pour saluer tout le monde. Je profite de ce moment pour saluer tous les Congolais. Et je profite de ce moment pour saluer tous les staffs de l'hôpital Ngaliema, particulièrement, puisque c'est là où je me trouve pour le moment. Et si je dois exprimer un sentiment, c'est un sentiment de satisfaction qui anime mon cœur et mon esprit à cet instant. Puisque si on accouche d'un enfant, c'est pour qu'il grandisse et qu'il devienne important dans la société. Et pour moi, ce centre est comme un enfant que j'aurai accouché. Et je pense que ce n'est pas un secret de dire depuis que nous avons posé la première pierre, nous avons cru et nous croyons jusqu'à aujourd'hui au professionnalisme de l'intelligentsia congolais. La preuve est que ils en sont, je crois, à la troisième mission. Hein? Et jusque-là, nous avons connu que
du succès sur toutes les interventions déjà faites dans ces centres. Alors, je suis heureuse, je suis honorée, je suis très très contente par ces sentiments, donc des satisfactions que je viens de dire au début. Je ne peux que féliciter cette équipe, particulièrement le docteur Nwoma, qui fait pour le moment, je peux le dire, un apostolat, puisque toutes les personnes sur lesquelles ils ont intervenu n'ont pas beaucoup de moyens, tout d'abord, parce qu'il faut souligner cet aspect-là des choses, mais quand même, ça soulage les malades, puisque pour aller se faire opérer à l'étranger, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de moyens. Je félicite notre staff, donc le personnel congolais, pour leur intervention à différents niveaux et à différentes échelles. Je remercie aussi tous les autres étrangers qui se sont joints à eux pour pouvoir arriver à ces résultats que nous connaissons aujourd'hui. Bon, je les encourage aussi et j'appelle les patients à faire confiance à nos médecins ici sur place. Moi-même, je suis passée, et c'est puisque j'avais aussi besoin d'une consultation ici, vous le savez. Et j'en ai profité pour visiter les cas qui ont trouvé cette grâce-là de Dieu, de pouvoir se faire soigner. Et vous-même, vous avez vu leur état, qu'ils sont bien, ils seront bientôt rentrés dans leurs familles respectives. Et tout va bien se passer. Et donc, je pense que, en résumé, faisons confiance à nos médecins, faisons confiance au professionnalisme de nos médecins congolais, qui, parfois, il leur manque seulement un peu de matériel pour accomplir à bien leurs tâches. Merci. Bien, merci.